Alors, ce livre, Question pour les mères, c'est moi qui l'ai voulu, Yvonne Knibiller. Je suis une vieille historienne qui travaille depuis plus de 40 ans sur les mères et la maternité. Mais surtout, je suis mère, grand-mère et arrière-grand-mère. Au cours du XXe siècle, j'ai observé de multiples changements dans le vécu et les représentations des mères et de la maternité. J'ai éprouvé le besoin de faire une sorte de bilan provisoire, de prendre du recul. Être mère aujourd'hui, qu'est-ce que c'est au juste? Où est le noyau dur de la maternité, à supposer évidemment qu'il en existe un? J'ai consulté mes amies de l'association des Mères Corées. Elles sont plus jeunes que moi et formées, elles sont mères elles aussi, formées par des disciplines et des activités très différentes. Il y a une sage-femme, une avocate, deux psychologues, une sociologue, une professeure de droit, une professeure d'économie. Et elles se posent toutes les mêmes questions que moi. Elles réfléchissent sur les bouleversements récents. À tout hasard, nous avons lancé un sondage local en distribuant un questionnaire qui a reçu en peu de temps plus de 80 réponses, dont deux envoyées par des pairs. Il est évident que des femmes, des hommes, de tous les milieux, éprouvent le désir, le besoin de s'exprimer sur ce sujet. Et des blogs et des forums sur Internet nous l'ont confirmé. Nous avons cru bon de faire connaître les réponses que nous avons reçues en les commentant, chacune à notre manière. Nous sommes sept, chacune parle, chacune réagit à la lumière de son savoir, de son expérience personnelle, de sa sensibilité. Le résultat, c'est ce livre auquel nous tenons beaucoup, il nous tient fort à cœur. Nos propos s'adressent à toutes les mères, quel que soit leur milieu social, leur formation, leur âge. Nous interpellons aussi les professionnels qui s'occupent des mères, les soignants, les travailleurs sociaux, bien entendu, et plus encore, les responsables politiques, qui légifèrent parfois à tort et à travers, nous semble-t-il. Ce qui nous préoccupe notamment, c'est la tendance actuelle à professionnaliser, à formater, à marchandiser les tâches dites maternelles ou parentales, comme s'il s'agissait d'un travail quelconque, de métier ordinaire, voire subalterne. Nous avons envie de dire aux mères, n'attendez pas que les autres décident pour vous, consultez-vous entre vous, organisez-vous, prenez en main vous-même les intérêts de vos propres enfants. La maternité est une dimension essentielle de la citoyenneté. La paternité aussi, mais les hommes l'oublient souvent. Nous serions heureuses que, après nous avoir lus, vous preniez contact avec nous. Merci d'avance.